les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux, mais ça ne vaut pas la peine que j'y revienne. Il faut me dire au fond des yeux, quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux, mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me dire au fond des yeux, quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Eh bien les amis, voilà un homme heureux que vous applaudissez, bien sûr. C'est notre ami Greg, infidèle parmi les fidèles. Et on accueille tout de suite Thierry. Thierry. Une mauvaise note au destin.